Ils ne savent peut-être pas où ils dormiront ce soir, mais la plupart de ces migrants sont heureux de quitter Calais, loin de la jungle et de ces conditions de vie qui n'ont cessé de se dégrader. Calais est une vraie galère, il n'y a pas d'issue, cela fait 3 mois que nous vivons dans cette jungle. Ce matin, des centaines de migrants, soudanais pour la plupart, ont choisi de partir du Calaisis en bus, destination des centres d'accueil situés un peu partout en France, jusqu'en Aquitaine et sur la Côte d'Azur. Ces départs sont les premiers à être réalisés dans le cadre du dispositif annoncé par Bernard Cazeneuve mercredi dernier. Il s'agit d'une part de faire diminuer la jauge des migrants qui sont stationnés à Calais sur la Lande. Et il s'agit aussi et surtout de donner à ces migrants des perspectives d'avenir bien meilleures que ce qu'ils ont ici à Calais. Une opération saluée par la maire de Calais et par certains bénévoles d'associations humanitaires. C'est une très bonne solution parce que les gens vont enfin quitter la précarité pour réfléchir à leur vie, à leur avenir. D'abord, ils vont être aidés par des travailleurs sociaux. Et c'est une très très bonne chose et c'est indispensable. Les bus sont partis un peu avant 11h. Prochain départ, vendredi. Mais je reprendrai la vôtre après.